Nous sommes dans un contexte général où il y a une forme d'ambivalence de la relation entre science et société. D'un côté, on sent une très forte attente des citoyens vis-à-vis de la science par rapport aux grandes questions, que ce soit le changement climatique ou l'agriculture, etc. Et en même temps, il y a une certaine défiance, critique de la science aussi qui existe dans la société. Donc on est dans cette forme d'ambivalence, dans cette relation science-société. Pour ce qui concerne plus particulièrement le champ d'activité de l'INRA, ce contexte général, en fait, se décline autour de trois grands domaines qui touchent de très près la vie quotidienne des Français. Donc c'est l'agriculture, bien sûr. Avec là des questions liées aux pesticides, au bien-être animal, au paysage, à la qualité, au prix des produits agricoles. Mais c'est aussi l'alimentation, avec des questions sur le lien entre l'alimentation et la santé, la transformation des produits agricoles, le goût des aliments. Et puis, c'est aussi des questions liées à l'environnement, que ce soit le changement climatique que j'évoquais précédemment, ou bien, généralement les questions de pollution liées aux activités, notamment agricoles ou de l'élevage. Donc voilà, on est dans cette situation où l'INRA, finalement Institut de recherche finalisé, a pour mission de, bien sûr, de produire des connaissances scientifiques, mais aussi, face à toutes ces grandes questions, de proposer des solutions à la société. Et d'ailleurs, dans certains cas, dans le cas des sciences et des recherches participatives, ces solutions sont élaborées avec les acteurs de la société. Les citoyens amateurs, qu'ils soient individuels ou en association, comme certains professionnels d'ailleurs, des petits groupes d'éleveurs, d'agriculteurs, de forestiers, de viticulteurs, participent suivant des modalités qui sont très variables. On a à la fois des opérations qu'on appelle dans notre jargon de crowdsourcing, c'est-à-dire où on collecte massivement beaucoup de données auprès d'amateurs, de passionnés, par exemple sur des questions liées à la biodiversité, mais aussi on a une forme de participation où les personnes que je mentionnais précédemment peuvent participer de manière plus intense, c'est-à-dire depuis la construction même de la question de recherche, tout au long du projet de recherche jusqu'à la diffusion des résultats. Donc c'est une forme, ce sont des formes très, très variées de participation, avec des groupes eux-mêmes très variés, hein, entre, je disais, amateurs ou professionnels. Je les classerai en trois domaines. Le premier, ce serait des pistes liées aux financeurs de la recherche. Il me semble que les financeurs pourraient développer plus le soutien à ces approches en reconnaissant mieux à la fois leur intérêt et leur spécificité. Donc reconnaître leur intérêt, ça veut dire peut-être faire plus de place à ces approches dans les appels à projets ou créer des appels à projets spécifiques, hein. Et puis reconnaître leur spécificité, ça voudrait dire par exemple tenir compte du fait que avant même de proposer un projet, l'écrire, le co-construire avec des acteurs aussi hétérogènes que des scientifiques, des associations, des élus, des agriculteurs, que sais-je, ça demande plus de temps que d'écrire un projet entre scientifiques. Donc déjà soutenir cette phase de préparation du projet, ça serait une bonne idée, de mon point de vue. C'est déjà fait dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle CO3, co-construction des connaissances. Et donc je pense que cette piste me paraît pertinente. Et puis il y a aussi également le fait au niveau des financeurs de tenir compte aussi du fait que certains acteurs, comme certaines associations par exemple, n'ont pas énormément de moyens. Donc si on leur demande de cofinancer la moitié du coût d'un projet, ça devient assez rapidement problématique pour eux. Donc ça, c'est du côté des financeurs, voilà quelques pistes. Du côté des institutions de recherche, il me semble que dans les règles d'évaluation des scientifiques, on pourrait peut-être tenir plus compte aussi du fait des efforts particuliers qui sont nécessaires pour les scientifiques à s'impliquer dans ces démarches-là. Donc les choses évoluent, hein,
Tout n'est pas figé, donc les choses évoluent, mais voilà, je pense qu'on a encore un peu de chemin à faire dans cette voie. Et puis peut-être dernier groupe sur lequel on pourrait, pour lequel on pourrait améliorer les choses, c'est pour les, pour le monde associatif, hein, pour les non-scientifiques eux-mêmes. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de monter en capacité, dans certains cas, de ces acteurs, pour qu'ils soient plus à l'aise dans le dialogue avec la recherche. Et donc là, ça peut passer par un équipement, entre guillemets, de ces acteurs pour les amener à monter en capacité. Alors là aussi, il y a des initiatives. Là, vient de sortir un appel à projet du FONGEP, hein, qui s'appelle le FONGEP Recherche, qui permettra, dans une phase pilote, à certaines associations d'embaucher des personnes dont le rôle sera spécifiquement de faciliter le lien avec la recherche.